Assalamu alaikum, amis téléspectateurs, émission Veto. Je suis en émission de Veto. Je suis en train de vous parler de la production et de consommation. Pour la production et de consommation, je suis en train de vous parler de l'action gagnée. Je suis pour le poney, je suis en train de vous parler pour le poney, je suis en train de vous parler pour le poney. Je suis en train de vous parler pour le poney. Je suis en production de vous parler. Hier, ay ginaaru pondeuse bokk na ci ligéyu askan bi gënu djublu jamono ji ci walum économie ñu sétlu ni mi ngi apporter lu bëri ci dëkk bi waral ndaw yu bëri duggu ci li ëpp solo ci yar ginaar nekk na seen dëkk way manam bâtiment bi ñi nekk bâtiment bobu nak bala tuuji di fa duggu laaj nañu préparer ko def désinfection nettoyer ko dépoussiérer ko changer litière bi ndax âge bobu tuuji dañuy sensible ci febar yi fi bala ñuy commencer ginaar yi bala ñuy commencer élevage bi li ñuy ñëk def moy dañuy dépoussiérer bâtiment bi yépp ba mu sét ñu raxas ko am wax javel bu ñu paré ñu tej bâtiment bi def ci ben désinfectant par exemple bu melna formol pendant 15 jours buñ ko guéné bu defé 15 jours ba paré ñu lâcho bâtiment bi avec la chaux vive bu mu tangé non ñu lâcho bâtiment bi sol bi ak mur yi ak yépp ba mu sét après buñu duggal coupe bi tam ñu duggal coupe bi ñu désinfecté ko duggal coupe taf bâtiment bi yépp légui buñu paré ci lolu buñu démarré nous pulvérisons tam ak jour buñu démarrer nous pulvérisons tam ak virunette ba paré nous dougal matériel bo xamné rahas dañ ko wax yépp pulvériser ko wax yépp dougal ko ci bâtiment bi avant nak poussin yi ñew am liñu wax préparation du bâtiment loolu nak bo xolé moy phase bu ëpp solo ci walum élevage parce que si ngay mëna wañi ba nga xamné bâtiment bi du mëna am ben doomu jangoro comme ça su gagné ñëwé du fekk ay doomu jangoro parce que prophylaxie sanitaire la décontamination moi vraiment garantir la santé des sujets donc lool mom dañ ci wara xass tank bi nga xamné étape bi nga xamné mom lañ ko déféré moy enlever litière yi bu dañé gënaay démé raxas pour lay ba nga xamné amatu ben saleté parce que ben ki rek du ko ginar wala ben tache ki rek poussière am ay milliards de virus ak microbes parce que ñom dañu invisible. Donc lepp lo xamné rek dang koy def ci décontamination bu xépp parce que fokk ngay mëna arrêter alal bi ngay investir. Démarrage moy phase bi gëna am importance ci walum élevage. Dañuy faral di wax ki démarre bien finit bien. Ginaar yi dinañ soxla nek ci environnement bu baax, am espace. Bu ñuy ñëw war nañ fekk lepp paré. Lu ko dalé ci jumtukaay yi tax ñu am température biñu soxla. Ba ci lekukaay yi ak nanukaay yi di ceytu itam bu baax aliment bi ñuy lek jour bu ñu démarrer bon il faut d'abord que ñu préparer matériel bi yépp moy manam ben abreuvoir pour 50 poussins ben mangeoire pour 50 poussins ak radiant yi ñu installé yépp et la plupart des temps ñun bu ñu démarrer on fait un espace où on peut avoir 40 au mètre carré 40 au mètre carré il faut bien chauffer le bâtiment bien le fermer. Non, le nuit démarre. Nous avons un préchauffage comme cela parce que pour ces blancs, nous avons fait une bonne température dans le bâtiment. Nous avons préchauffé suivant les conditions climatiques et suivant la température du moment. Si vous préchauffez, vous avez un temps adapté. Donc, vous avez fait une bonne température dans le bâtiment. Nous avons fait une bonne température. Les éleveurs, nous avons fait au démarrage d'utiliser ces organes de sens. Nous avons fait un peu djel tankam tek ko ci yaramam xol est ce que ñu senti tangay bi muy xol ginaar est ce que ñu ngi lek parce que il faut ñu lek tam li gën nak moy nga démarrer sur du papier craft nga xamné day def bruit su défé bruit rek da fay stimuler la consommation d'aliments chez les poussins li ñu ñëk def dañuy jox ginaar yi dañ leen di jox ñu naan ba paré ñu abreuver leen ba paré buñ leen abreuver ba paré ba mu def 1h 1h30 ñu do leen alimenter
Nous devons alimenter, nous devons chauffage pour deuil parce qu'il faut nous vérifier le chauffage. Parce que le chauffage, si pousse un pondeuse, je crois que le chauffage est aussi au sol. Donc, des fois, quand il fait chaud aussi, il faut nous faire irradiant. Tout dépend, par exemple, Guinard, nous avons toujours moi, qui est dans la recette, moi, je suis un peu. Donc, si nous sommes 7 lots, nous devons faire irradiant, nous devons faire. Si nous devons faire, nous devons faire, nous devons faire irradiant. Au moins pendant 10-15 jours. Maintenant, vous nous faites une semaine. Chaque semaine, de New York bâtiment. Chaque semaine, de New York bâtiment. Ben, nous, mon âme, par exemple, nous faisons comme 40% de New York. Semaine, nous faisons 30%. Nous faisons 20%. Nous faisons 10%. D'habitude, nous faisons démarrer avec pour 5 pondeuses. Nous faisons un aliment de démarrage. Bon, il y a deux façons. C'est-à-dire, l'aliment de démarrage, nous faisons un mois. Comme vous avez donné un aliment de démarrage, nous faisons pendant 10 semaines. On donne l'aliment de démarrage pendant 10 semaines. Après, nous faisons l'aliment poulet. Deuxième âge. Ben, nous arrêtons d'entrer en ponte. Il y a l'autre méthode. Bon, ramener, tu fais, par exemple, si tu fais un mois d'aliment de démarrage, tu as un poids normal, nous faisons l'aliment poulet premier âge. Nous faisons la dixième semaine, nous faisons l'aliment poulet deuxième âge jusqu'à la ponte. Pour l'aliment, il y a deux aspects. Nous avons tant d'aliments, la composition et la présentation. La présentation, nous avons un peu de l'aliment parce que l'aliment, c'est des granivores. Donc, l'aliment, si vous êtes en miettes au démarrage, c'est le plus important. Le temps de consommation est le plus important. Que vous êtes en poudre. Il faut que vous ayez de trier les granulés après la farine. Si vous faites la farine, c'est le qui est CMV, tout ce qui est minéral, vitamine. Donc, le plus important est un aliment qui est en miettes au démarrage pour avoir un bon poids. Parce que si vous avez un bon poids au démarrage, autour de 290 grammes, vous allez au moins sécuriser cet investissement en termes de santé. Parce que Guinard, plus je suis en poids, 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 plus je suis en termes de compte. Non, d'habitude, au départ, nous on donne à volonté. C'est-à-dire on met l'aliment, soit que ça a eu géré, New York. Mais maintenant, quand on met les mangeoires aussi, on fait aliments à volonté, comme ça, Guinard, il est normal. Parce que toujours, comme on dit, problème de poids, il donne homogénéité. Donc, quand il y a suffisamment de matériel, vaudrait mieux d'y alimenter alimentation normale pour un poids normal pour avoir une bonne ponte. Tu vois, l'aliment, il y a des mangeoires, à chaque fois, il faut tolo ak magay Guinard. Mais autour de mangeoires, il faut que chaque fois, tolo ak dig ginaaw ginaaw sinon da indi ay yak ginaaw de dañuy c'est des granivores dañuy tan di aliment diko tan donc lolou day indi yak aliment ba paré ginaaw de bi nek di seug te indi ci ñom ciono bo xamné bu yagge dañu sawara lek mangeoire bi buñ ko sété su manké té joxé wuñu aliment bi comme niñ koy joxé ginaaw yi dañuy xëccio lolou motax mu ñuy indi problème des fois problème homogénéité parce que ça ñuy xëccio yëpp doolé toujours ñoy gëna lek yu tuti lolou moy problème par exemple bu féké amul ay mangeoire yu doy. Man li meilleur toujours moy ndox bi mo ci ëpp solo ndox bi mo ci ëpp solo donc lool mo tax ndox bi dal vraiment mo lañ wax lañ mën def possibilité yépp pour ginaar yi di nan normal. Abreuvement bi c'est important parce que ginaar bi bu nanul du lek il faut muy nan parce que nan deux fois ci limuy lek donc il faut muy nan à chaque fois ba paré matériel yi warul sorenté bu tourner dafa lek bu tourner muy nan. Non, ndoxu forage lañu am fi, ndoxu forage lañu am fi mom lañu jox ginaar yi fu mu neñ mom lañu jox ginaar yi. Mais bon, je crois que depuis biñu joxé lolu am gisunu problème yi fi am ci problème ndox. Éleveur dañu tam di wax aliment alors que aliment le premier aliment c'est l'eau. Donc laaj na avant ñu sant ci poulailler ñu xol ndox bobu est-ce que répondre aux normes. Pour ce cas précis luñuy conseiller éleveur bi rek moy ndox bi même bu sété tam laaj na tam abreuvoir bi ni koy topoto diko nettoyer de plus en plus parce que dañ nan de l'eau potable dans un verre propre parce que ginaar bi limuy nan bu dé fiñ koy def tam amna ay doomu jangoro rek mën na indi tam liñuy wax ay contamination. Du lek bi rek mo am solo ci sen dundine dina soxla tamit ñu top ginaar yi ci sen vaccination. Li concerne vaccination bi d'habitude dañuy suivre ben programme prophylaxie bi ñu docteur bi di jox. Moi, je suis là, chaque semaine, je fais un vaccin pour nous. Pendant les vaccins, je fais un traitement, je fais des parasitages, je fais des anticoxygiens.
ak yoy jusqu'à l'entrée en ponte. Ñu leen di poser chaque semaine dina jappalé éleveur bi ngir mu xam ndax magay gina yi jar na yoon. Chaque semaine dañu wara def poser, chaque semaine dañu wara poser gina bi pour xam sen poids ak xam homogénéité bi. Parce que gina li ci ëpp solo ci pondeuse moy homogénéité, mu na am homogénéité bu baax comme ça ci ponte bi. Mu mëna réfléchir ci ponte bi. Biñu ñëwé ci poulailler bi fekk nañu ginaaru bokane yi sen magay xawa am touti retard liko meuna waral nak beurina lu melni aliment bu doyul wala manque d'espace wala sax fièvre si dafa am retard de croissance parce que fi dañ fi amone problème moy manam ginaar yi dafa am période bo xamné dafa fièvre lol motax bo len ko set lo débécage bi sax mu jëwuñ ko def parce que ginaar yi dañu amone problème ñu def len traitement mais légui ginaar yi fu mu ne ni alhamdullilah légui ñu ngi def yépp pour rattraper pour jappalé len pour mon emploi normal lui bala ñu dem entrer en ponte on avait des problèmes c'est-à-dire ginaar yi dañ doon gëm dañu amone problème pour tu am ay lasse ak yoy donc on a fait un traitement mais depuis qu'on a fait le traitement on a vu l'amélioration quoi moi am amélioration bu baax poulet bi nga xamné mi ngi commencer pour simple accès wala muy nen moy base futur pondeur poulet nak pour nga am poulet bu baax mu nenk tek ci 6 critères bu ñëk moy il faut que ñu maîtriser le poids à l'entrée en ponte parce que poids bobu bu newé rek mëna indi accident de ponte mëna indi des pontes yo xamné ginaar yi nenn da fay du am un bon calibre poids bi tam su uppé dina am des pertes sur la constance d'aliment donc poids bi c'est à maîtriser ñaaral point moy la maturité sexuelle moy ginaar bi kagn la war nenn comme ñun fi bo xolé poulailler yu bari c'est en bâtiment ouvert donc éleveur bi war na mëna tagat le ginaar bi ci walum poids moy di peser à chaque fois le poids parce que poids bi éleveur chaque semaine war na poids bi day mengu ak poids bi nga xamné moy correspond à la souche parce que souche bari na am na ño xamné dañuy def isa am ñi def eyeline am ñi def novo donc souche bi nga am war nga xam ban poids lay am à chaque âge donc à chaque âge correspond un poids donc éleveur bi tant que peser wul rek du mëna def un pilotage plus précis et nek un pilotage à vue en même temps tam homogénéité bi homogénéité bi amna solo moy ñi mag di masendo parce que bo amul homogénéité bu baax rek do démé en phase ponte sa coupe de ponte da fay yek di wati ñettali point bi moy la capacité d'ingestion mais ginaar bi lu muy lek ce ginaar bi dañ ko wara tamal lek bu gaaw parce que bu nekké en phase ponte day wara lek 105 ba 110 grammes par jour bu dé bu nekk phase pilote tamul lek bu gaaw rek mën na indi galankoor ci nen bi li am solo tam ci phase poulet moy le statut sanitaire de la poulet parce que poulet bi ci la wara jëlé tous les vaccins yo xamné ñokay ar en phase pondeuse donc bu ñu respecté la prophylaxe sanitaire moy décontamination bu baax li ci tégu nak moy respecté la prophylaxe médicale moy les vaccins bu nek ak agent ak ñu ko wara défé benen bi tam moy pointage parce que ñu on est dans des conditions très chaudes té bo xolé ginaar yi dañuy tam def piquage donc ginaar bi nak bokay pointé moy boy dag bec bi waro dag bu sori ak dag bu sori rek ginaar bi du mën ti lek té comme on dit la poule pond par le bec donc ñu nek une poule bo xamné du amati ndëri non bonne poulet bi makoy définir toujours bonne poulet bi may définir toujours moy mala muy duggu ponte mo am poids normal lañ ci soxla d'abord am nak lañ ci wax ci santé bu baax lolu moy lolu liñ ci wut ba paré su féké pour lobe yépp liñ ci wut moy ñu am homogénéité bu baax poids normal mom lañu bëgg bu ñen di duggal compte pour transférer bon ñun d'habitude buñu transférer dañuy préférer def vaccination bi ci poulailler d'abord té comme dafa am vaccination bu ñu nga def avant ponte moy 16e semaine dañuy préférer vacciner fi ba paré xaar une semaine 8 jours doko transférer batterie fi nak le ginaar yi di nené moy bâtiment de production ñu fekk fi machine bi ñu nan batterie mu don lu automatique am ay niveau ginaar yi di fa nek cage bu ci nek mëna denc ñent bu juroomi ginaar ginaar yi mat nañ pour nen ñom geeni gis ni fi nek don benen environnement ci ñom ginaare ñu ngi ci bâtiment de production bi
production boko déggé moy fi ñu né né ñu ñëk défal ci comme ci sol ba lañ joggé dañ leen ñëk jangal naan moy manam won leen duñu nané mais du jox leen ndox rek pour ñu naan dañ leen di won ñu ñuy nané ba ñu mokal naan bi bu ñu mokalé naan bi après alimentation bi ñun fi manam ben yon lañuy alimenter parce que buñ ko xolé distributeur d'aliments bi motax distributeur d'aliments bi comme réglé wuñ ko duñ ko mën di def plusieurs alimentation comme dara alimentation lañuy def bon ponte bi mom normal on na mais bon comme dafa tang ak tangor bi ginaaw bi lekk li mu wala lekk yépp donc lolu motax ñu am baisse de ponte fu mu nekk ni mais xamna kon la di tangor bi jeex après dinañ mëna def ak dinañ mëna defal jox ginaaw bi lo xamni dinañ ko mën yobbu wat ba fu mu nekkon ñu am le maximum de ponte parce que boy def élevage laj na nga am un tableau de bord moy di remplir la traçabilité ginaay ri ñaata la effectif bi mortalité nombre de plateaux boko defé ñu mëna calculer ce taux de ponte nga xol est ce que baxna wala baxul suñu ñëwé fi du environnement bi rek moy changer sen alimentation itam da fay changer ndax lekatuñu pour mag dañé lek pour nen légui nek nañu ay poule pondeuse. Lui conseil tam moy dinar bi bu ñëwé ci biñ ko transférer dans le bâtiment de ponte da fay un stress c'est un nouvel environnement tam ñu won à breu ipeti donc il faut les ñu tam ko ngeen kay won bañ ko tamé nga xamné dañu mën di naan parce que ginar bi bu naan du lek ñaar bi moy ci walu alimentation bi ginar bi entre en ponte ba 40 semaines da fay lek pour nen ba paré muy lek pour mag donc mu ngi mag mu ngi nen donc day am besoin yo xamné qui sont importants en protéines et en énergie donc fofu laj na une bonne alimentation pour ne pas ginar bi di jël ses réserves pour nen donc laj une alimentation assez riche mais à partir de 50 semaines ba réforme nga xamné ginar yi magam jeexna pour sakanal parce que bo xol investissement am solo moy am nen yu bari mais aussi le coût de l'alimentation le coût de l'aliment soit quand même toujours revu à la baisse. Il faut donner un aliment fin de ponte, ça coûte moins cher, mais aussi les tactiques ont les mêmes performances. Parce que le gars, il faut que le gars, il faut que les besoins, il faut que des besoins en calcium. Parce que le gars, il faut que le gars, il faut que le gars, il fragile. Donc, si vous donnez un aliment fin de ponte, il faut économiser un aliment pour aliment. Mais par exemple, il faut garantir un bon calibre. La solitude de la coupe de l'œuf n'a pas de garantie. Ginar nak tangor bokk na ci lu ko meuna gal encore tangay bobu nak mën na waral li ñuy naan baisse de ponte wa bo xolé kay ponte li ginar yi am 31 semaines amon un taux de ponte de 86% mu jekki baissé à 75% ndika waral moy tangay bi parce que tangay bi dina limu ñëk def moy baisser sa consommation bo xolé consommation bi digé na ap 10 sacs ñëw ba 9 sacs donc ginaar yi ngi lek après yagu 100 grammes non bu tangor bi ñëwé dañuy calculer dañuy set heure yo xamné mo ñu gëna arranger mo gëna arranger ginaar bi sax pour bañ mu nekk ci tangor bi mën ci lek moy manam dañuy jox jëma alimenter limu gëna télé wala ngon bu fekk ay 17h 18h ñu alimenter le il faut ñu lek 105 ba 110 grammes pour mëna am une bonne ponte ñu mëna def nak pour dimbali ginaaw bi tangay moy alimentation bi mu nekk un aliment plus concentré ci walu alimentation un aliment plus concentré gëna ëpp énergie comme lekam day wañéku aliment plus plus concentré pour qu'il am ses besoins en énergie et en protéines alimentation itam ci walu distribution bi moy ñukoy joxe heure yo xamné da fay sedd nga permettre ginaar bi heure yi nga xamné la nuit am au moins 3 heures de lumière ba nga xamné dina mën faire bobu lek ci faire ses besoins ñettal moy ci walu garab amna garab yo xamné tam permettre ginaar bi muy lutter contre la chaleur te ginaar au cours de sa vie da fay sulter froid bi lu bari donc laaj na chaque 2 mois nga jox un effort protecteur bo xamné dina tax
du mëna am jangor yu mel ay stéatose hépatique nga xamé dafa yapp ci pondeuse bu nek en production non d'habitude dina ñun ñu fi nek ci taux bi ci ki lañu xol ci taux bi parce que bo dem benen moment bo xamné xam nga né ce taux bax na ba légui mën nga continuer di dundal ginaar yi di ci liguey manam mais su féké dem nga ba taux bi xam na né mëno tol ci am luñ ci don am nga réformer ko mo gën. Élevage poule pondeuse, l'aide de passion et patience. Ndax yena saynga djuk, yena saynga danu. Gora aj, yag ci lol di joxe ay conseil. Sukandiko nak ci expérience. Xam nga légui xalé yi malheureusement sen activité yépp moy bëgg am xaliss tay. Je pense koku. Ma je fais mon métier ça fait 45 46 ans aujourd'hui. Il y a comme tout moi, je prends tout mon temps, mais tout ce que je fais, je veux le bien faire. Et donner avec mes ligues pour un résultat paye. On a vu énormément de projets ici, nous démarrer, que ce soit avec les maîtrisards et autres. Ils ne se donnent pas la volonté d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, d'une seule union de Sembop, d'une bugle, d'une bugle, ben effort pour que qui. Parce que l'OGRM, voilà, il y a des bëtu bay ci tool mo gën fukk sur go ci tool boy géré dara que ce soit les jeunes diplômés ou il faut nga nango son guddé bëcc ak manger ki mes bureaux à 9h30 et le matin kën duma fa ñëk pour lan parce que je veux suivre tout du début jusqu'à la fin voilà mom li ma ci am ci expérience je pense que bari na trop kene dama commencé louer kër di ci def ay ginaar à Pikine ñeu continue ko fi ba légui amis téléspectateurs de l'émission Meto ak ñu ci tiapando bi nga émission bi nga xamné dañ ko déglé won walu œuf de consommation nak bokk na ci composante majeure ci walu sécurité alimentaire mais en même temps source de revenus pour acteurs qui yëngu bu am nen bi nak man nañ len nak la éleveur bi wara ligéyé ba nga xamné dina mëna am un retour d'investissement ci teunk walum bâtiment bi amna solo au niveau de la conception ñu def ko dans des normes benen bi moy la décontamination avant pour sañ ñew la dina éleveur bi wajël len ba nga xamné fekk ben doomu jangoro ci walum poulette bi wax nañ len condition yi nga xamné mom nga wax wara taxawé ba nga xamné poulette bi bu démé dina nek dans de meilleures conditions. Parce que poulette bi c'est la future pondeuse li nga investir ci poulette rek mo ngay am ci pondeuse une bonne pondeuse c'est d'abord une bonne poulette donc fofu jarum nay lepp li aliments adaptés ak niñ ko wara joxé lepp li vaccin bo xamné dina ar pondeuse bi bu nekké en production dañ ko def lepp lo xamné en terme de biosécurité dañ koy def ba nga xamné bu pondeuse commencé nañ am ben galancor parce que ginaar bi commencé nañ rek amatul correction donc phase poulette c'est la primeur. C'est l'importance, c'est le point focal pour au moins avoir un retour d'investissement. Qui va nous positionner dans le Sénégal, nous avons 1 million de pondeuses, actuellement nous avons 5 millions de positions. Donc ça veut dire que le secteur de la Bokhamne, nous avons tout, 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 nous avons donc, élever le temps en termes de dynamisme, nous avons tout, nous avons tout, nous donc, production, en termes de quantité. L'idée serait que nous devons aller dans la transformation au moins pour faire face aux périodes de pic qui parfois s'imposent et nous devons aller dans la période de marché. C'est ce que nous devons faire dans une émission. Merci.